Maud Mathis avec un énorme sourire, la double championne d'Europe devient triple championne d'Europe de course de montagne. Comment c'était? Alors très dur, j'imaginais plus facile que ça. Bon, je savais qu'Andrea Meyer était en forme, mais je pensais faire la différence dans la partie raide, et puis là ça a été le contraire. Elle était très forte dans les montées. Très forte dans les montées, dans la grosse partie raide elle m'a mis 15 secondes. Je me suis pas excitée, je me suis accrochée, et puis je me suis dit que la course n'était pas finie et puis qu'il fallait garder du jus jusqu'à la fin. Et dans la partie plate, j'ai pu revenir sur elle, donc j'étais étonnée. Et ensuite, il restait 2 km. Là, j'étais cuite, mais j'ai essayé de garder un petit peu la distance. Et puis, je crois que je grappillais des secondes. Mais sur la fin, je ne me suis jamais retournée. Je me suis dit, mais elle doit être tout proche. Et pour fait, non, j'aurais pu un petit peu souffler. Jamais retournée, t'es dit, elle va revenir. Elle est dans un jour énorme pour elle. J'étais sûre qu'elle allait revenir. Moi, j'avais l'impression de ne plus avancer. Je pense que je n'avançais plus. Et puis, juste à la fin, quand il restait 200 mètres, là, je me suis retournée parce que, dans des années passées, je me suis déjà fait avoir sur les 200 derniers mètres. Là, je dis, je ne veux pas me refaire avoir. Donc, puis voir si j'avais le temps de prendre le drapeau suisse aussi. Tu as eu le temps de prendre le drapeau suisse. Tu as même eu le temps de t'arrêter avant la ligne pour savourer le moment. Ça fait du bien, ça. Ça fait vraiment du bien. J'attendais ce moment depuis un moment. Enfin, depuis un moment, non. J'avais envie de réitérer ce moment. Et puis, ça fait du bien d'avoir le public suisse avec moi. J'allais dire, c'est pas la même chose de gagner n'importe où, gagner en Suisse. Non. Là, c'était vraiment le petit plus aujourd'hui. Ça me tenait vraiment à cœur de ramener cette médaille d'or. Superbe, devant le Cervin. C'est magnifique.